Bonjour, ça y est, on y est, première vidéo, et je commence à répondre à vos questions. Et là, ça sera par rapport, oui, parce que pourquoi je fais ces vidéos? Parce que je me rends compte que qu'est-ce qu'on vous raconte comme conneries? Après, bien sûr, vous dites, oh, mais il caresse dans le sens du poil, il est gentil, il est tout mignon, et puis voilà, il va toujours dans notre sens. Oui, bah alors que quelqu'un qui va toujours dans mon sens, attention, je m'en méfie comme de la peste, et qui met en avant toujours les machos, comme voilà, certaines informations qui plaisent à leurs clients, à ses clients ou à leurs clients. Bah alors là, attention, hein, messieurs, on est. Parce que moi, ce que je vais vous apporter comme réponse, ça va peut-être pas plaire, ça va peut-être fortement déplaire à certains de ces messieurs, mais je suis désolé, la réalité est ainsi. Après, si vous voulez dépenser de l'argent pour rien, ça c'est votre choix, c'est votre problème, c'est pas le mien, hein. Et puis si vous voulez finir par divorcer parce que vous avez épousé une pauvre fille de la campagne qui a été naïve et qui n'avait pas beaucoup d'informations sur la France ou sur l'Europe et qu'on lui a bourré le citron de fausses informations pour qu'elle se marie rapidement. Ça aussi, c'est votre problème si ça finit en nœud de boudin et en eau de boudin, excusez-moi, ou en catastrophe parce que vous allez finir divorcé au bout de 2 ou 3 ans, parce que soit la dame aura ouvert les yeux ben, par rapport à. En fait, on vous fait le nécessaire pour que. Bien sûr que vous vous mariez rapidement, que vous trouviez rapidement votre âme sœur, même si apparemment ça ne marche pas du tout. Mais bon, on essaye. On essaye également le fait de vous apporter bah, des informations, de vous apporter des femmes qui veulent rapidement se marier, parce qu'elles sont de la campagne, puis elles vivent dans des situations très précaires. Parce que plus vous rentrez dans les campagnes russes, ukrainiennes, bah, c'est galère, on est bien d'accord. Donc bien sûr, ces dames sont plus facilement. On arrive plus facilement à les caser, plus facilement à les marier, étant donné que ce sont des filles de la campagne. Et puis elles sont plus naïves, et puis bien sûr, on leur bourre de fausses infos la tête, hein, le crâne de fausses infos, pour que, bah, pour qu'elles voient vous en tant qu'homme comme un sauveur, comme un milliardaire ou un millionnaire européen qui viendrait la sauver parce qu'elle vit, bah, peut-être pas dans la misère, mais bon. Dans les campagnes, des fois, c'est très très compliqué. Quand vous voyez au niveau que des fois, elles n'ont même pas l'eau courante, donc c'est sûr que. Mais moi, je pense qu'après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez baser vos relations, vos rencontres sur de la naïveté et puis sur le fait que bah, ces dames veulent absolument quitter rapidement leur pays parce qu'elles vivent justement dans cette misère. Bon après c'est vous qui voyez, mais est-ce que ça à long terme, comment ça va évoluer? Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Parce qu'elles seront naïves, elles auront plein d'idées fausses de votre pays, alors France, Suisse, Belgique, même le Canada. Donc elles penseront que c'est l'Eldorado, et qu'à la fin, le réveil sera peut-être très dur et très cruel pour ces dames. Et comment ça finira? Par divorce? C'est ça que vous voulez, messieurs? Avoir des allez, 80% de chances de divorcer parce que ces dames n'auront pas eu les bonnes informations, ne connaîtront pas vraiment la France, ne sauront pas vraiment quelle est notre mentalité, parce que c'est bon de savoir, de connaître la mentalité ukrainienne, mais c'est bon aussi que ces dames sachent notre mentalité, et je pense que ça, c'est hyper important. Donc voilà, alors on est dans des situations où, et moi je pense que aujourd'hui, il ne faut surtout pas épouser des femmes naïves. Oui, je sais, c'est plus rapide, on peut plus les manipuler, on utilise la PNL et puis on les manipule et on leur fait faire ce qu'on veut. Mais attention, attention, la manipulation, ça a un temps. Ça va durer quelques mois, peut-être. Mais à force, la femme va ouvrir les yeux. Alors soit elle va se laisser manipuler tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Puis après, quand elle aura ce qu'elle veut, comment ça va se passer? Vous êtes posé la question? Que des filles de des villes. Voilà, elles savent très bien, elles connaissent, voilà, elles utilisent Internet comme nous on l'utilise aujourd'hui en Ukraine, en Russie ou même en Biélorussie. À l'époque, il y a 10-15 ans, peut-être que ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, tous les portables ont 3G, à 4G. Tous les PC, puis PC portables, ils ont également Internet. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Elles savent aussi bien ce qui se passe
en Ukraine, comme nous savons ce qui se passe en Ukraine, ben elles savent exactement ce qui se passe aussi en Europe. Donc voilà, elles ne sont pas naïves quand elles viennent vous rencontrer, elles savent qui elles viennent rencontrer, qui vous êtes et où vous vivez, dans quel pays vous vivez. Donc elles sont plus naïves, hein, on est bien d'accord, et je pense que là, c'est une relation qui part dans de bons. Qui a un bon départ et qui, je pense, aboutira sur de la confiance et ils seront pas. Vos fondations seront pas bâties sur du. Vous voyez ce que je veux dire pour que tout s'écroule. Après, c'est vous qui voyez, messieurs, pas moi. C'est vous. C'est votre avenir sentimental, pas le mien. On soit bien clair. Hein. On est bien d'accord. Alors, vous pourriez dire. Oui, bien sûr, il parle pour sa paroisse et il parle pour l'agent. Je vous rappelle quand même que Irina, aujourd'hui, a les tarifs les moins chers de France, d'Europe et du Canada, et même des États-Unis. J'étais choqué de voir les prix au niveau des USA, j'étais outré. Donc, alors, je crois qu'il bat tous les records. Donc, oui, c'est les moins chers. Donc, je vous rappelle que voilà, je vous donne les bons renseignements, oui, parce que ce sont les bons renseignements. Après, vous verrez de toute façon par vous-même quand vous commencerez à aller en Ukraine, quand on commencera à connaître l'Ukraine, et ensuite en plus avec les meilleurs tarifs. Après, vous faites comme vous voulez, comme je vous dis tout le temps, c'est votre argent, pas le mien, puis c'est votre avenir sentimental, pas le mien. Moi, ça fait 12 ans, je dis bien 12 ans, que je suis marié avec une femme ukrainienne, et ça fait pas 5 ans. Ça fait, je répète encore une fois, ça fait 12 ans. Voilà. Bon, allez, on commence, hein, parce que je parle, mais à un moment donné, il faut commencer. Alors oui, il existe d'autres agences qui proposent de rencontrer des femmes ukrainiennes, puis russes, puis je crois quelques-unes aussi biélorusses, et qui ont vu d'une union sincère et durable. On est bien d'accord. Du moins, qui vous vendent un packaging pour vous dire que bah, l'union sera sincère et durable. Moi, je pense que certaines façons de travailler, bon, après, c'est vous qui voyez. Et y a-t-il une différence? Et laquelle dois-je choisir? Oui, parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question. C'est déjà la première question que vous allez vous poser. Laquelle dois-je choisir? Et vous avez raison. Ah, vous avez le choix entre une vraie agence matrimoniale internationale ou un site de rencontre, Femmes de l'Est, qui fonctionne comme Mythique. Qui fonctionne à peu près avec un peu plus d'options, quelques options en plus pour vous payer, pour vous faire payer un peu plus. Mais regardez le fonctionnement de Mythique et puis de Tinder, et puis regardez ces sites qui se font passer pour des agences. Ouvrez les yeux, je sais pas, il n'y a pas besoin de vous le dire et de vous l'expliquer. Je pense que par vous-même, vous comprendrez que ces agences qui se disent agences matrimoniales sont en fait des sites de rencontres. Regardez leur fonctionnement, puis vous comprendrez par vous-même. Alors, il faut bien vous poser déjà les questions, si elles ont des bureaux permanents dans ces pays et dans ces régions également. Ça, hyper important. En Russie, en Biélorussie ou en Ukraine, bien sûr, parce que beaucoup, vous souhaitez partir en Ukraine. Donc, le plus important, c'est de savoir s'ils ont des bureaux permanents bah, dans ces pays et surtout dans ces régions. Il faut savoir si elles offrent des vidéos. Oui, on a commencé à vous offrir des vidéos. Mais pas des vidéos déjà des dames aussi. D'ailleurs, vous en voyez également déjà sur ma chaîne YouTube, mais vous en voyez plus, beaucoup plus sur la communauté. Et également des interviews. Mais des interviews, pas de style pas bien ficelé, pas. Il faut qu'elle soit décontractée pour que la dame soit décontractée, pour qu'elle puisse bah, s'exprimer naturellement, puis surtout avec honnêteté. Et pas vraiment que les questions soient très centrées, soient très, voilà, très réfléchies pour que la dame donne les bonnes informations comme on le souhaitait. Même des fois, j'ai vu dans des vidéos que certaines agences, du moins sites de rencontres Femmes de l'Est, vous donnent certaines informations et que la fille à l'interview, bah, elle ne vous donne plus du tout les mêmes. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais ces vidéos sont coupées. Et justement, par rapport, sauf s'il y a une sonnerie de téléphone en plein milieu de la vidéo, là je coupe, mais autrement j'aime que la vidéo soit du début jusqu'à la fin, qu'elle ne soit pas coupée. Comme ça vous montre l'honnêteté des questions et l'honnêteté également des réponses et du comportement de la dame. J'ai horreur d'une vidéo quand on fait une interview qu'elle soit coupée.
Pourquoi elle serait coupée? Parce que la dame donne pas les bonnes réponses? Parce que la dame ne donne pas les réponses qu'on attend de par rapport à l'agence, par rapport à ses clients? C'est pour ça qu'on coupe ces vidéos. Mais si vous verriez les interviews, verriez mes interviews, vous verrez qu'elles ne sont pas coupées, justement, parce qu'en pure honnêteté, puis qu'à tout soit clair. Voilà, j'ai horreur qu'une interview soit coupée. Qu'on le voit de toute façon, qu'il y a des petites scènes qui sont coupées, mais pourquoi? On se pose la question. Moi, je ne me la pose pas. Après. Alors, attendez, où j'en suis? Qui permet de discuter, voir les femmes. Alors, que leur fichier est rigoureusement mis à jour, parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Hein. D'ailleurs, certaines agences vous disent, bah oui, on les garde parce que voilà, parce qu'elles représentent bien l'Ukraine, mais on s'en fout qu'elles représentent bien l'Ukraine. Si les filles ne doivent plus être dans l'agence, les vidéos ne doivent plus être dans l'agence, même si elles représentent l'Ukraine. D'ailleurs, de toute façon, si les femmes sont des vraies femmes ukrainiennes, toutes représenteront l'Ukraine, ou la Russie, ou la Biélorussie. Donc ces vidéos, quand elles sont mariées ou quand elles sont amoureuses, ces vidéos ne doivent plus exister soit sur la chaîne YouTube, ou soit sur le site. C'est normal. Et si on vous les laisse, bah déjà, c'est une escroquerie en elle-même parce qu'on vous fait miroiter une femme qui n'est plus libre. Donc ça, bien sûr, bah bien sûr, si on enlève toutes ces dames, il y aura peut-être 20% des vidéos qui vont au revoir. Puis ça fait moins de vidéos, surtout quand on vous fait payer voilà, pour les voir. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Alors, il faut bien savoir aussi qu'il faut vous organiser vos voyages et pas vous laisser vous débrouiller tout seul. On est bien d'accord. Il faut gérer, il faut connaître les restaurants, il faut connaître les hôtels également et pas vous envoyer dans un hôtel parce qu'on travaille avec une agence de voyage qui a les meilleurs prix. Non, parce qu'on va pouvoir s'en mettre plein les poches, ou du moins. Bon, on s'est compris, je vous ai déjà expliqué comment ça se passait sur certaines agences. C'est vous qui payez le billet d'avion du directeur ou de la directrice de l'agence, parce que les agences de voyage, quand ils travaillent avec des agences de voyage, ils vous font payer un supplément pour pouvoir payer ensuite le billet et la réservation du monsieur du directeur. Et ça, c'est connu, hein. Il n'y a pas que, de toute façon, dans ce genre d'agences ou des sites de rencontres femmes de l'Est que ça se passe comme ça. Non, ça se passe ainsi en France, quand il y a un partenariat avec une agence de voyage. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais après, chacun fait comme il veut. Alors, faut savoir également qu'il faut se poser la question si elles ont des conseillères traductrices qui sont disponibles 7 jours sur 7. Oui, parce que je pense que quand vous partez en voyage de groupe ou en contrat adhésion, il faut que la traductrice conseillère soit pas 6 jours sur 7 et puis le 7e vous débrouillez tout seul toute la journée comme une andouille parce que puis si vous avez un souci, si vous avez un problème de traduction, ben écoute, t'attendras le lendemain parce que. Non, c'est 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24 non plus, faut pas exagérer, mais 7 jours sur 7 et au moins 12 heures par jour. Oui, ça c'est. Voilà, ça c'est les professionnels. Parce que quand vous êtes dans un pays étranger que vous connaissez pas, ben la dame. La traductrice conseillère doit être là 7 jours sur 7 et 12 heures. Pas 24 heures, mais 12 heures, parce que laissez là quand même, elle a une vie de famille, mais elle a peut-être également des enfants. Donc pensez-y. Alors, puis ensuite, il faut qu'elles aient une excellente réputation. Mais pas qu'en France. Parce qu'en France, on peut vous dire, oui, j'ai une très bonne réputation, mais comment vous allez être sûr qu'elle a une très bonne réputation? Ben, ça ne sera pas possible parce que. Parce que, en fait, on vous cache plein d'informations, et puis quand il y a des choses de dites ben on essaye de les cacher, et bizarrement, quand on ne revoit pas ces messieurs dans ces vidéos, qui vous diront, bah non, moi je suis pas content de l'agence. Non, on va interviewer que les messieurs qui vont dire des bonnes choses, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette notre communauté, parce que justement, nous on n'a pas besoin de cacher. Quoi que ce soit, donc les messieurs sur la communauté s'expriment comme ils en ont envie.
Alors peut-être des fois ça, voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça le but d'une communauté, j'en suis très content. Parce que cette communauté vit grâce à tout ça et que justement ils s'expriment avec franchise et quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent et comme ça on ne cache rien et que c'est tout à fait honnête et que les messieurs s'expriment par rapport à l'agence d'Irina. S'ils font des compliments, ben ils en font et voilà, on ne les sélectionne pas parce qu'ils disent des compliments. Et quand un monsieur, jusqu'à présent c'est pas arrivé, mais je pense que peut-être un jour ça arrivera, eh bien, ben s'exprimera aussi sur la communauté, mais voilà, on s'en cache pas. On ne met pas qu'en avant les compliments pour Irina ou les compliments de son agence. Non. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur la communauté. C'est justement pour ça qu'elle existe. On ne vous cache rien, nous, messieurs. Alors voilà. Voilà ce qui fait une agence, ben, toute la différence avec les autres agences. Et déjà, premièrement, parce que Irina est une vraie agence matrimoniale internationale et pas un site de rencontre. Femme de l'Est, comme fonctionne Mythique ou Tinder. Alors, vous avez déjà contacté d'autres agences de rencontres, ah, téléphone, et acheté des adresses de femmes. Oui, parce qu'on sait que voilà, vous pouvez acheter qu'une seule adresse. Et correspondre avec elle. Mais déjà, bah, faut bien comprendre que bah, ça va pas marcher super bien, déjà dans d'autres agences, parce que vous les achetez, puis elles vous répondent pas. Oui, vous êtes là. Vous avez l'adresse, vous avez le mail, mais pff, elles sont fous de vous, parce que de toute façon, on ne vous connaît pas. Elles voient quelques photos, puis bah, peut-être une petite lettre. Mais elles s'en foutent, vous ne l'intéressez pas. Ou bien était déjà marié. Oui, bah oui, si on laisse les vidéos d'autres femmes déjà qui sont déjà avec un homme, là ça va être un peu compliqué pour la rencontrer. Alors les femmes de l'Est, les femmes qui sont inscrites dans l'agence d'Irina, donc déjà faut bien comprendre que ce sont les plus belles femmes d'Ukraine. Alors que vous soyez d'accord ou non, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, vous pouvez le constater sur les vidéos. Bien sûr, si vous venez pas sur la communauté, vous ne le constaterez jamais. Mais voilà, c'est si vous êtes sur la vie de la communauté, je pense que vous l'avez vu qu'aujourd'hui, les plus belles femmes d'Ukraine sont dans l'agence d'Irina. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Je pense que ça s'est vu. Ça s'est constaté. Puis en plus, il y a les vidéos de Kharkov qui vont pas tarder. Vous avez de la chance quand même, vous, messieurs de la communauté. Oui, parce que c'est autre chose que ce qu'on vous bazarde sur YouTube. Moi, excusez-moi, mais à chaque fois, je suis pété de rire quand je vois le genre de dame qu'on vous dit, elle est très très belle. Oui, pourquoi pas. Alors, avant d'être inscrite dans l'agence d'Irina, dans l'agence matrimoniale d'Irina, une femme russe ou ukrainienne doit passer plusieurs étapes destinées à vérifier son identité, sa motivation à fonder un foyer avec un homme ne vivant pas en Ukraine. On est bien d'accord. Alors chaque dame est reçue par la directrice de l'agence partenaire d'Irina. Alors soit en Russie, Biélorussie ou en Ukraine. Pour un entretien en tête-à-tête, pas en vidéoconférence, pas au téléphone, non, en tête-à-tête, voilà. Les yeux dans les yeux. On est bien d'accord. Hein, parce que je vous rappelle que chaque partenaire vit dans ces régions. Des dames. Donc elles connaissent la mentalité. Elles savent qui elles sont. Donc, yeux dans les yeux. Et puis elles savent tout de suite si elle est honnête ou elle ne l'est pas. Hein. Soyons clairs, parce qu'elles sont nées dans ces régions. Donc elles savent, connaissent la mentalité de ces dames de ces régions. Alors si l'entretien, excusez-moi, se déroule bien. La dame ukrainienne signe un contrat d'inscription avec une des partenaires d'Irina, dans la région où elle vit. On est bien d'accord. Et vous allez rencontrer cette dame dans cette région. Elle doit photocopier des documents officiels qui la concernent. Passeport, biométrie, carte d'identité. Elle doit faire également deux vidéos. Une pour dire qu'elle souhaite rencontrer un homme
à l'étranger, que si elle le rencontre, elle partira avec lui, hein, qu'elle est d'accord de le suivre. Et la deuxième, eh bien pour dire qu'elle est célibataire avec la carte d'identité. Pour se présenter, bien dire qu'elle est célibataire. Non, c'est le passeport, excusez-moi, c'est pas la carte d'identité, c'est le passeport pour bien dire qu'elle est... Eh oui, bah oui, c'est comme ça dans les vraies agences. Hein. Les vraies agences matrimoniales internationales, et sérieux, ça se passe comme ça. Et rien ne se passe au téléphone ou en vidéoconférence, c'est de la blue pipo, tout ça. Non, non, avec les partenaires d'Irina, c'est face à face. Alors, voilà. Et Irina, ensuite, quand tous ces documents sont faits, parce qu'elle a confiance en ses partenaires, parce qu'il n'y a pas besoin. Si elle n'aurait pas confiance en ses partenaires, elle referait de nouveau une vérification. Mais elle a confiance en ses partenaires, et ensuite, elle a connaissance de ses nouveaux profils. Elle peut discuter aussi avec ces dames, elle peut converser, et ensuite elle choisit aussi par rapport à ces dames, celles qui lui plaisent ou lui plaisent pas. D'accord? Alors pas physiquement, hein, mais mentalité, etc. Donc il y a une deuxième sélection faite aussi par mon épouse. On est bien d'accord. Et oui, messieurs, c'est comme ça que ça se passe dans une vraie agence matrimoniale internationale sérieuse. Alors, par le biais de son service de vidéoconférence téléphonique et service email, Irina est toujours en contact avec ses partenaires pour mettre à jour sa base de données de ses profils, de ses adhérentes. On est bien d'accord, tout le temps. Et pratiquement, je crois qu'aujourd'hui, elle doit y être tous les jours. Oui, tous les jours, je crois que tous les jours, elle est en contact avec ses partenaires. Alors, il faut comprendre aussi qu'Irina est classée parmi les agences matrimoniales ayant un fichier les plus fiables des dames d'Europe de l'Est. Et elle est réputée en Ukraine et aussi en France. Mais en France, elle est réputée parce qu'elle a 100% de... elle a 100% de résultats positifs par rapport à ses rencontres, par rapport à vos rencontres, messieurs. Mais elle est connue aussi en Ukraine aujourd'hui parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle a des qualités, elle a une façon de travailler qui est d'une vraie professionnelle, qui est d'une agence sérieuse, avec des messieurs qui sont sérieux et de bon standing. Mais de standing, pas que, voilà, pas que ça, hein, on est bien d'accord. Mais qui intellectuellement, qui sont de gentlemen, qui respectent les femmes. Voilà, elle a une très bonne réputation par rapport à tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive à faire toutes ces interviews, parce que justement, elle a une très bonne réputation. On est bien d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez des vidéos, que toutes les plus belles femmes d'Ukraine, vous avez déjà vu une épreuve, ce sont des dizaines. Et parce qu'elles ont confiance. Elles ont totalement confiance, elles savent qu'elles peuvent faire confiance en l'agence d'Irina. Et c'est pour ça que toutes ces beautés viennent dans son agence. Et c'est pour ça que d'autres agences vont essayer d'aller, par exemple, dans le fief de mon épouse et vont ramener que des filles, excusez-moi, pas très jolies. Parce que toutes les belles n'auront pas confiance en cette agence. Elles vont aller seulement dans l'agence d'Irina parce qu'elles ont confiance en mon épouse. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Hein. On est bien d'accord. Donc. Rigoureuse, elle est rigoureuse et très exigeante. Alors ça, je peux vous assurer qu'elle est très exigeante parce que, comme je vous l'avais déjà dit, quand des fois la partenaire d'Irina, ben elle se dit bah, c'est une fille bien parce que voilà, elle est en contact avec, elle se dit c'est une fille bien. Irina, elle dit bah, non, moi je pense pas que ça soit pas le fait que ce soit pas une fille bien, mais que ça soit pas une fille pour mon client, une dame pour mon client. Donc elle l'enlève. Voilà, c'est comme ça, Irina est ainsi. Et oui, les critères de sélection sont très importants. Et il y a déjà un premier critère de sélection fait par ces partenaires qui sont très sérieux, qui travaillent comme je viens de vous expliquer. Et encore ensuite, Irina faire encore une sélection par rapport à ces critères. Donc vous voyez au niveau de la qualité où on en est. Alors, après avoir consulté votre fichier des dames ukrainiennes, Russie ou Biélorussie, je n'ai envie que de correspondre qu'avec une seule d'entre elles. Oui, ça arrivait. En fait, c'est pas le fait,
Ça arrivait par rapport au fichier, pas par au fichier, mais par rapport au site, qu'il y avait quelques hommes qui avaient flashé sur une fille. Alors des fois elles acceptent, alors des fois pas du tout. Ou soit, et puis c'est souvent que voilà, vous plantez, parce que voilà, moi j'ai vu des hommes qui étaient, bon voilà, il y avait un certain charme, mais bon, quand on voyait le genre de femme qu'ils voulaient rencontrer, on se disait, il doit pas. Voilà quoi. Ah, je veux pas non plus dire des méchancetés, mais des fois, il faut vous regarder un petit peu dans la glace par rapport à quel genre de dame vous voulez rencontrer. Voilà, quand je vois aussi par rapport à la taille, qu'un monsieur d'un mètre 65, ou voilà, je crois qu'il faisait 1m65 ou 70, il voulait rencontrer une femme d'1m80. Si, si, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc là, c'est sûr que ça devient un peu compliqué. Et puis, de toute façon, ils ne voudront pas. Alors, bien sûr, quand vous êtes un homme normal, entre guillemets, voilà, vous pensez peut-être que vous êtes beau, mais quand vous voulez rencontrer une fille qui fait du mannequinat, et puis que. Hein, faut pas vous attendre non plus à un oui, hein, messieurs, je suis désolé. Donc après, vous dites, bah, moi, je veux rencontrer une seule femme. Bon, bah, d'accord. Vous voulez dépenser des sommes. Pas pharaonique, mais par rapport à votre billet d'avion, 300 balles, plus votre séjour, si vous passez 2 ou 3 jours, ça va vous revenir à peu près 150-200 balles les 3 jours pour l'hôtel, après il y a la bouffe, etc. On est bien d'accord. Donc tout ça pour une seule. Une seule et unique femme. En sachant que, bon, déjà avec le questionnaire d'Irina, vous êtes déjà tranquille parce que vous savez déjà qu'elle veut vous rencontrer. Donc elle souhaite réellement vous rencontrer parce que vous lui plaisez. Parce que grâce à son questionnaire, elle a ça. Mais, une seule. Non, 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 moi je pense pas. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais. Alors, Irina recommande à ses clients de commencer à correspondre avec plusieurs femmes. Il y a plusieurs dames. Quand elle vous envoie. Toutes ces dames après votre questionnaire, la première fois, on est d'accord, avant signature de votre contrat, elle vous envoie toutes ces photos, tous ces profils, voilà, hein, belle photo naturelle, parce que je vous rappelle qu'elle vous envoie des photos naturelles, eh bien, elle vous conseille d'en choisir plusieurs. Parce que si vous en choisissez qu'une, puis vous dites, oh bah tiens, sur les 15, moi j'ai vu, sur les 15, je veux en rencontrer qu'une. Oulala, parce que vous pensez encore, peut-être que vous croyez encore au Père Noël. Si, si, sur une seule, d'accord, bah dites donc, c'est que vous avez vachement sûr de vous, hein. Ou très sûr de la dame. Parce qu'une seule, moi je dis que vous avez 90% de vous planter. On peut pas tout baser sur une seule dame. Alors, si vous correspondez avec plusieurs dames ukrainiennes, ou russes, ou biélorusses, au début, eh bien, faut bien comprendre que certains, je répète, que certains messieurs ne veulent, souhaitent correspondre qu'avec une seule dame. Là, c'est la cata. Car ils ont aimé ben, ces photos. Oui, parce que c'est souvent quand vous voulez correspondre qu'avec une seule dame, c'est que. Alors, soit vous avez des critères. Complètement, hein, on est d'accord sur le job parce que vous voulez un tel ou tel job. Alors là, laissez tomber, hein, essayez de trouver en France, et encore, de toute façon, vous ne trouverez pas. Peut-être en Asie ou en Afrique. Là, en Afrique, je pense que vous trouverez beaucoup plus facilement. Mais en Ukraine, moi, je pense que quand vous avez un seul profil, moi, je pense que c'est foutu d'avance. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, pas le mien. Alors, parce que vous avez craqué souvent sur des photos, oui, je l'ai vu souvent que c'était sur des photos. Parce que vous avez fait une sélection, puis vous avez dit, oh, elle est super, c'est exactement, elle ressemble à mon ex. Ça, je l'ai entendu aussi. Parce qu'elle avait le même genre que son ex. Alors là, vous commencez déjà très très bien comment? Eh bien, une correspondance. Parce que tout ce que vous voyez, c'est votre ex. Parce qu'elle ressemble à votre ex. Alors là, je vous dis tout de suite que c'est droit dans le mur. Et puis, bah oui, quand on commence une relation en se basant sur le fait qu'elle ressemble à votre ex, c'est que c'est pas la dame que vous recherchez, mais c'est votre ex. Donc déjà là, vous allez vous planter méchamment aussi là-dessus.
Ou parce qu'elle ressemble à telle ou telle fille, ou telle actrice, ou telle ou telle. Pff, voilà, parce que voilà, mais ça devient aberrant. Enfin. Puis là, de toute façon, on dépenserait de l'argent pour rien, soyons clairs. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, les hommes, ben, le rôle le plus important, c'est souvent par rapport au physique de la dame. Oui, sur les photos. Bah oui, parce qu'on regarde pas trop ce qui est écrit. Ou quand on est. Mais bon, moi il y a des choses qui sont totalement absurdes quand j'écoute quand j'écoute mon épouse qui me dit que ce monsieur ne souhaite pas rencontrer cette dame parce qu'elle n'a pas le bon profil par rapport à son métier, je me dis oh, il faut arrêter là. Hein. Et parce que à cause d'un métier qui vous satisfait pas, vous voulez pas la rencontrer. Ben, messieurs, essayez d'en trouver une en France. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Elle aura peut-être le bon métier. Hein. Ouais. Et moi, je pense que, bah, je pense que de toute façon, il n'y a même pas besoin de chercher. Quand vous avez ce genre d'idée, ne dépensez pas d'argent. De toute façon, vous allez droit au fiasco. Et puis, en plus, quand vous avez craqué sur les photos, vous pensez automatiquement que c'est la femme de votre vie, c'est celle qu'il vous faut, vous êtes déjà amoureux. C'est aberrant. Moi, je trouve ça aberrant. On n'est plus des enfants. Et ce, alors, même s'ils n'ont pas encore découvert la personnalité de cette dame, ils s'en remettent à leurs premières impressions et gardent à l'esprit une image. Vous faites un fantasme de cette femme. Vous fantasmez. Alors, vous n'êtes plus du tout dans la réalité. Hein. On est bien d'accord. Mais elle va pas fantasmer. Elle vous a choisi parce que vous lui plaisiez intellectuellement, que vous lui plaisiez au niveau du caractère, que vous êtes une personne peut-être gentille, attentionnée, etc. par rapport à vos qualités. Mais voilà, elle ne pense pas que vous êtes son homme, voilà, de sa vie. Elle se dit, ce monsieur m'intéresse, il me plaît, mais c'est tout. Mais vous êtes déjà parti, vous êtes limite mariage. Oui, quand vous en choisissez qu'une, vous êtes déjà là-dedans, vous êtes déjà à fond, quoi. Hein, vous êtes déjà. Vous avez déjà dépassé tout, vous êtes déjà à l'église. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça, puis surtout pas avec une dame ukrainienne. Je vous rappelle que par rapport à sa vie, elles ont les pieds. Voilà, voilà, ça vous. Elles sont. Puis elles ne. Elles n'ont pas le temps de rêver ni de fantasmer, mais je peux vous assurer que leur vie n'est pas faite pour. Alors, il faut savoir aussi qu'en plus, eh bien, elles se font toutes belles pour les photos. Voilà, elles se maquillent, elles se coiffent. Mais entre-temps, elles ont le droit, hein, elles ont le droit aussi de changer de coupe. Elles ont le droit de changer aussi peut-être de couleur, des trucs pour les yeux, peut-être de rouge à lèvres. Donc elle va peut-être un peu changer. Donc vous allez être bloqué sur une photo. Et quand vous en avez qu'une, quand vous allez en vidéoconférence, bah là vous dites, bah, oh ben, elle a changé. Bah oui, elle a changé parce qu'on est en hiver. Donc là, les photos, c'était l'été. Donc c'était en hiver. Donc voilà. Donc vous bloquez sur un physique. Et au lieu de chercher une personnalité. Pas un métier, on ne marie pas un métier, on marie une femme, une personnalité, un être humain. Et là, des fois, ben voilà, parce que ben, faut autrement, si vous voulez qu'elle ressemble exactement à la photo, dites-lui, ben voilà, la photo elle est au mois de juillet, ben, je te rencontrerai au mois de juillet. On commencera les vidéoconférences au mois de juillet, parce qu'après, là, il est au mois de décembre, tu auras le gros col roulé, donc là, ça sera différent, tu seras pas pareil, tu auras peut-être mis un chapeau, donc tu seras peut-être un peu décoiffé, parce qu'il fait peut-être moins 25 dehors. Donc là, après, moi, je serai pas trop content, parce que tu seras pas habillé comme tu étais habillé sur les photos. Non, ces dames vont pas s'habiller en manches courtes, en t-shirt ou un petit chemisier pour vous faire plaisir, hein, messieurs, parce qu'il fait moins 25 dehors et vous l'avez vu en chemisier sur la photo. Non, 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 faut arrêter. Alors bien sûr, quand vous en avez qu'une, bah, vous restez voilà, bloqué sur certaines choses que vous n'avez pas. Si vous en avez 5 ou 6 à rencontrer, bah, là, vous voyez un ensemble. Et là, vous voyez surtout son caractère, sa personnalité, comme elle va répondre et tout. Mais quand vous en avez qu'une, vous avez tout basé dessus, sur cette dame. Vous voulez qu'elle, vous voulez qu'elle, vous.
Voilà, vous bloquez sur elle, donc vous voyez plus rien là-haut. Donc là, franchement, toute sincérité, en tant qu'homme, moi je dis que c'est la cata, puis vous allez droit dans le mur. Bon, après, c'est votre vie sentimentale, pas la mienne. Il faut bien faire comprendre que certaines photos, elles se préparent à l'avance, elles se maquillent, elles prennent du temps, c'est peut-être pas la même saison, peut-être qu'elles datent de... C'était au mois de juillet, puis on est au mois de décembre. Elles vont pas vous faire des photos tous les mois non plus, hein, messieurs. Mais bon, ça arrive aussi que Irina vous envoie des photos de 15 jours. Donc là, c'est différent. Donc il faut quand même arriver à, je sais pas, à un moment donné, vous projeter et puis pas avoir qu'un physique. Hein. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes pas tous des étalons. Et puis on n'est pas non plus tous. Hein, on n'est pas tous des stars non plus. Hein. Donc ces dames ont déjà. Avant de critiquer une femme, avant de critiquer son physique, regardez-vous dans une glace. Alors soit vous êtes un super mec. Là, à la limite, oui, vous pouvez vous permettre de faire des commentaires. Mais bon, si vous n'êtes pas un super mec, un superman, hein, rappelez-vous que si vous faites des commentaires, elle peut aussi vous en faire. Et puis je pense que vous ne serez peut-être pas content si elle vous dit telle ou telle chose que j'ai entendue déjà sur des dames. Je pense pas que vous soyez content. Puis votre amour-propre en prendrait un sacré coup parce que des fois, messieurs, vous n'êtes pas tendre. Hein. Donc rappelez-vous que ce que vous dites, elles peuvent peut-être également le dire sur vous. Oui. Parce que bon, y a... moi je pense pas que voilà qu'on est à 100% super et que en tout on est parfait. La perfection, je pense pas qu'elle existe, que ce soit côté masculin ou côté féminin. Alors rappelez-vous une chose, et je le répète encore une fois, quand vous critiquez une dame qui ne vous convient pas, regardez-vous dans la glace et dites-vous, ben ouais, je suis un super beau gosse, ou dites-vous, voilà, hein? Puis vous demandez à des gens. Mais pas à des amis. Les amis disent toujours oui, t'es beau. Non, demandez à des gens qui auront un. Voilà, quelque chose de franc, qui vous diront exactement. Voilà, puis après, réfléchissez. Voilà, avant de critiquer. Ouais, parce qu'elles peuvent peut-être aussi critiquer votre physique, monsieur. C'est pas parce que ce sont des Ukrainiens russes ou biélorusses qu'elles ne doivent pas critiquer. Elles ne peuvent pas voir la beauté d'un homme parce que. Parce qu'elle voit la beauté, peut, certainement plus votre beauté intérieure que votre beauté extérieure. On est bien d'accord que vous faites le contraire, vous voyez la beauté extérieure que la beauté intérieure. Et c'est pour ça que vous vous permettez de critiquer. Vous vous permettez de dire, bah, elle est moche ou elle me plaît pas ou elle est pas bien ou elle est pas si. Mais rappelez-vous, messieurs, qu'elle a la politesse et la gentillesse de bien vouloir vous rencontrer. Vous n'êtes pas, peut-être pas un Apollon. Et ça, faudra peut-être réagir aussi. Hein? C'est pas parce que vous êtes en Ukraine que de penser qu'elles sont toutes pauvres et puis qu'elles vont toutes vous sauter au cou, les plus belles, les plus moches, toutes. Non, ça, il faut à un moment donné réagir, messieurs. Hein? Alors si, bien sûr, je vous ai dit hein, dans mes vidéos que ce que j'allais dire n'allait pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous. C'est la réalité des choses. Et puis c'est comme ça se passe en Ukraine. Maintenant, si vous ne me croyez pas, bah, vous êtes fin prêt pour vous planter. Alors, il est impossible de se faire une opinion concernant la personnalité de la dame ukrainienne ou russe ou biélorusse à l'aide de seules photos. On est bien d'accord. Arrêtez de flasher sur des photos. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Une femme russe, ukrainienne ou biélorusse peut paraître réservée, timide sur une photo et être en réalité très communicative et extravertie. Eh oui, ne vous basez pas non plus sur ses photos pour connaître son caractère, hein, on est bien d'accord. Il en est même de ce qui concerne les vêtements ou la pose que prennent les dames lors de certaines photos. Bah oui, elles posent, donc voilà, elles veulent se mettre en avant, comme vos photos professionnelles, hein, qu'on vous demande dans certains sites, sur certains sites de femmes de l'Est, style mythique. Voilà, moi je les appelle les mythiques. Oh, les mythiques, on pourrait les appeler les mythiques rencontres femmes de l'Est. Ça pourrait être sympa. Ou Tinder, femmes de l'Est. Donc, oui, parce que voilà, elles font pas des photos professionnelles, mais elles se mettent en avant quand même. Hein. Elles veulent pas faire des grimaces non plus, donc elles se mettent en avant, voilà, pour qu'elles soient belles, peut-être même un peu sexy, mais ça. Quand vous allez sur les réseaux professionnels et les réseaux russes, vous en avez plein, plein. Puis elles ne cherchent pas toutes à épouser un homme européen. Soyons clairs. Non, non, non. Non, mais elles aiment bien.
Alors, il faut connaître, hein. Faut mieux connaître la mentalité avant de dire, bah ouais, bah, elles ont des tenues sexy, oh je suis choqué, bah ouais, bah, il y en a plein sur Anas Klasik et puis VK, V-Contact qui est sur les réseaux sociaux russes, puis elles veulent pas plaire aux Français ou aux Anglais ou aux Américains, elles s'en foutent. À certaines femmes, elles s'en foutent, elles sont mariées, elles ont plusieurs enfants, mais elles aiment bien. Elles aiment bien se mettre afficher ce genre de photos sur leur page de réseaux sociaux. Bah oui, il faut connaître la mentalité de ces pays-là pour ne plus être choqué par ces photos. Alors, vous pouvez être effectivement tenté de correspondre avec une seule dame, russe, ukrainienne ou biélorusse, en lui déclarant votre flamme, en lui disant que vous la trouvez très belle, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous pouvez également penser qu'en avouant à cette dame que vous avez décidé qu'elle serait vôtre parce qu'elle vous plaît, parce que les photos vous ont accroché, parce que de toute façon quand vous faites comme ça, il n'y a que les photos. Hein. Alors ça, j'en suis convaincu, vous ne regardez même pas son caractère ni sa personnalité, vous voyez que les photos. Quand vous en choisissez qu'une, j'en suis sûr. Sauf, comme je vous dis, par rapport à son métier. Alors ça, c'est de la connerie, pas possible. Alors, vous avez décidé que discuter en vidéoconférence qu'avec elle et seulement avec elle. Alors, bien sûr, elle sera sensible par ce choix. Bien sûr, bah oui, c'est une femme. Quand on lui dit ça, elle est contente. Et cela augmentera peut-être, je dis bien peut-être, ses sentiments envers vous, à votre égard. Mais là, ce serait une erreur de votre part. Et ça, pour les raisons suivantes, de vous comporter ainsi. Dans ce genre de situation, les femmes ukrainiennes sont très pragmatiques et pensent qu'un homme ne peut pas émettre le jugement concernant sa future femme en se basant simplement sur une photo. Il faut bien comprendre que moi, ça m'est arrivé. Moi aussi, je suis un homme, mais bon, ça fait 15 ans de ça. Ouais, un peu plus de 12 ans, parce que je vous rappelle que ça fait 12 ans que j'ai rencontré mon épouse. Donc ça m'est arrivé. Et moi je l'ai dit, je dis, oh, j'ai craqué sur ta photo, t'es superbe. Et vous savez ce qu'elle me disait? Elle me disait, mais attends, on s'est jamais rencontré, comment tu peux craquer sur moi en étant. On s'est pas rencontré. Bah, je lui disais, sur des photos, ouais, mais elle me disait, ce sont que des photos. Donc là, vous prenez un gros carton. Si vous dites que vous avez bloqué sur elle par rapport à la photo, en connaissant la mentalité des femmes ukrainiennes, vous êtes, allez, à 80%, 80-90% de vous prendre un de ces râteaux dans les gencives en lui disant, oh oui, tu es la seule, j'ai vu que... Allez, vous prendre une de ces gifles. Après, quand vous l'aurez vécu, vous saurez de quoi je parle. Alors, cela leur semble totalement fou de pouvoir tomber amoureux d'une femme à cause d'une simple photo. Et je peux vous assurer que j'en ai fait l'expérience. Avant mon épouse, j'en ai fait l'expérience. La dame pensera que vous êtes un doux rêveur, que vous fantasmez en plus beaucoup sur une image. Elles savent parfaitement que les photos ne reflètent pas à 100% leur apparence. Oui, puis surtout tous les jours. C'était un moment. Alors peut-être sur la plage, peut-être voilà, une soirée, mais c'est pas elle à 100%. Une photo reste qu'une photo, on est bien d'accord. C'est pour ça justement qu'il y a des vidéoconférences, que Irina vous propose des vidéoconférences ensuite avec ces dames. Et ensuite, elles auront peut-être peur également de vous décevoir. Vous vous rendez compte de la pression que vous lui mettez? Vous en avez choisi qu'une. Vous lui dites que c'est celle qui. Voilà. Il rendez compte la pression, le stress. Elle se dit, mais attends. Si je suis pas. Hein, ma photo, elle était belle, mais bon, après, dans tous les jours, qu'est-ce que je serais pareil? Donc, déjà, elle est stressée. Déjà, elle se dit, voilà, je vais lui plaire aussi? Hein? Ouais. Alors, vous lui mettez déjà du stress, en plus. Déjà, qu'une vidéoconférence, c'est un stress. Une rencontre avec un homme, c'est un stress aussi, même pour cette dame. Alors là, vous montez en plus dans les tours et en puissance par rapport à ce que vous lui dites, en n'ayant choisi qu'une seule. La dame pensera que vous êtes un. Voilà. Elles savent que tous les jours, elles auront peur de vous décevoir de votre future rencontre. Elles n'auront pas confiance en elles et préféreront rencontrer quelqu'un qui n'attache pas trop d'importance à l'aspect physique.
Écoutez bien, messieurs, ce que je viens de dire. À l'aspect physique, pas trop d'importance à l'aspect physique. Elle préfère en général les hommes qui ne sont pas faciles à séduire, qui ne déclarent pas leurs sentiments qu'après quelques jours, quelques heures, quelques jours. Elle se méfie des hommes tombant facilement amoureux. Ah ouais, alors là, faites attention, parce que là, elles vont vous regarder avec un œil. Si elle tombe facilement amoureuse de moi, dans 6 semaines, peut-être qu'il sera amoureux d'une autre, et puis dans 3 semaines encore d'une autre. Attention. Elles recherchent la stabilité, la sécurité, et ne veulent pas voir leur futur mari les quitter pour une autre femme. Bah oui, si vous craquez sur une photo, vous pourrez peut-être craquer dans quelques semaines pour une autre photo. Ah oui, pour une autre femme sur une autre photo. Ah oui, et elles peuvent se dire ça aussi. La femme russe pensera, ou ukrainienne ou biélorusse, pensera que vous n'êtes pas un homme fidèle. Voilà, vous allez vous prendre un gros carton. Et puis, une femme russe préfère savoir que l'homme a choisi parmi plusieurs Slaves, plusieurs femmes d'Ukraine, Biélorusse ou Russie, après avoir rencontré plusieurs dames. Oui, pas qu'une seule, et plusieurs. Car alors un sentiment que cet homme était courtisé par plusieurs femmes, et que donc c'est un homme possédant de réelles qualités, et pas un loser dont personne ne veut. Manger, ou sauter sur la seule qui... Ouais, je te... Voilà. Ils n'ont même pas discuté avec d'autres, d'autres n'ont même pas eu la possibilité de dire « Oh bah tu me plais pas, etc. » Non, vous prenez pas de risque, vous en prenez qu'une. Voilà, puis vous essayez de... Voilà. Vous voulez plaire qu'à une seule. Donc elle va se dire, bah oui, il est gentil, mais. Là, moi, je pense que personnellement, connaissant la mentalité ukrainienne, si vous prenez qu'une seule rencontre, bah vous allez droit au carton. Après, c'est que chacun fait comme il veut. Alors ensuite, vous allez me dire aussi, j'ai lu également qu'il y avait certains messieurs qui disaient. J'ai connu plusieurs échecs sentimentaux par le passé. Puis-je faire confiance à une femme russe ou ukrainienne et qui, de surcroît, est très jolie et intelligente? Oui, ça, je vous l'ai entendu dire. Alors, absolument. Parce que ça, je l'ai vu sur la communauté. Ce que je viens de vous dire, là, je l'ai vu sur la communauté. Alors, les femmes russes et ukrainiennes, ou biélorusses également, souhaitant quitter leur pays, ne prennent pas cette décision à la légère. On est bien d'accord, elles ne se disent pas, tiens, allez, hop, les vraies, hein, pas celles qui font du tourisme. Hein. Non, non, je vous parle des vraies dames ukrainiennes qui souhaitent rencontrer un homme à l'international et ensuite tout quitter pour lui. C'est ce genre de femmes. D'ailleurs, elles ne viendront pas faire du tourisme. On est bien d'accord. Elles ne souhaiteront même pas vous rencontrer dans votre pays. La première fois, elles vous demanderont de vous déplacer. Ah oui, c'est ça une vraie femme ukrainienne, russe ou biélorusse. Eh bien d'accord. Et toutes les femmes de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie, de l'agence matrimoniale internationale de mon épouse, ont conscience que cela implique qu'elles doivent abandonner leur famille. Oui, rappelez-vous, elles doivent abandonner leur famille, leurs amis. Et aller dans un pays où elles ne connaîtront personne, sauf vous. Elles n'entendront plus leur langue maternelle, sauf si vous êtes sur la communauté, où là, elles vont pouvoir continuer à communiquer avec des femmes qui vivent déjà en France et qui sont ukrainiennes. Et c'est pour ça que la communauté existe. Elles seront complètement dépendantes de vous au début. Posez-vous la question. Y a-t-il beaucoup de femmes en France, en Belgique, en Suisse, même aux USA, ou même au Canada, qui seront capables de faire tous ces sacrifices pour un homme? Ouais, ça, il faut peut-être vous poser la question, messieurs. Ça serait peut-être bon de vous poser cette question. Alors, attends, où j'en suis? C'est un gros dossier. Alors pourquoi ces belles dames ukrainiennes cherchent-elles un homme hors, hors de l'Ukraine, ou peut-être même de la Russie ou de la Biélorussie? Pourquoi?
Oui, ça c'est aussi une question qui vous taraude, qui vous posez souvent la question. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les femmes russes, ukrainiennes et biélorusses souhaitent être respectées. Oui, avoir un homme qui les respecte. Et veulent l'égalité des sexes. Eh oui, je suis désolé, certains messieurs sur leur vidéo disent, oh, attends, hein? Ben non, elles veulent également avoir un respect puis l'égalité des sexes. Alors pas bien sûr, pas comme ces charmantes dames françaises ou apparemment dans l'Europe, beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui veulent, voilà, on est des féministes, on est des féministes, les hommes à la cuisine. Oui non, 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 c'est pas ça non plus. Mais elles veulent quand même, voilà, un certain respect. Tout comme les femmes occidentales, mais pas au niveau du... Voilà, non, non, on n'est pas dans des délires non plus. Vous verrez jamais une femme ukrainienne camionneuse, hein, c'est clair. Hein, on est bien d'accord. Elles veulent épouser un homme qui saura connaître leurs droits, oui, et les respectera. Le problème est que la mentalité des hommes ukrainiens, russes, biélorusses, et la conception qu'ils ont... Alors attendez, et la conception qu'ils ont du rôle de la femme au sein du couple n'a pratiquement pas évolué. Oui, on est à peu près dans les années 40. 30, 40. Ou à peu près, par rapport à leur mentalité. Un clivage qui s'est créé entre hommes et femmes ukrainiens, russes et biélorusses, ces dernières se tournent désormais vers les hommes occidentaux qui respectent plus la femme et qui veulent... Justement, créer un lien solide et un couple solide pour un avenir sentimental. Et c'est pour ça qu'elle se tourne plus vers les hommes européens. Alors, voilà, j'en suis là. Alors, quels sont plus... Alors, il faut savoir également par rapport aux frais. Parce que c'est vrai que bah, les agences, déjà, quand je vois les tarifs, moi je suis outré, voire choqué. Parce qu'ils peuvent quand même essayer. Je sais qu'on a des charges en France, alors au Canada je ne sais pas, aux USA, alors on n'en parle même pas. Alors peut-être que je sais pas au niveau des USA les charges que les professionnels par rapport aux charges de l'État, mais au Canada non plus, mais en France je les connais. Et quand je vois les prix exorbitants qu'on vous demande, c'est du vol. C'est ni plus ni moins du vol. Et en plus, c'est pour ça qu'Irina a baissé un maximum ses prix pour pouvoir en vivre, mais pas non plus vous étrangler. Hein? Parce que je vous rappelle quand même que vous aurez des frais supplémentaires. Oui, votre billet d'avion, déjà. Déjà. Et puis ensuite... Moi, je vois sur des agences qui vous proposent, oui, elles vous proposent de faire venir ces dames. Donc là, alors, hop, on est déjà parti sur un billet d'avion. Allez, allez, entre 300 et 1000 euros, faut voir si vous êtes du Canadien ou si vous êtes européen ou américain. Hein, faut voir. Vous avez déjà payé ça. Ensuite, vous allez payer les frais de la dame. Oui, les frais pour venir, parce que ne croyez pas qu'elle va payer. Alors là, ne rêvez pas. Alors, ne rêvez pas du tout. Si elle doit se déplacer, vous payez. Vous payez le train, souvent le train, pas le bus. Mais elles veulent prendre le train. Hein, d'accord. Donc, billet de train plus chambre d'hôtel, parce que ne croyez pas que vous allez l'avoir tout de suite. Hein, du moins, dans les vraies agences, dans les agences sérieuses, vous n'allez pas l'avoir tout de suite dans votre lit. Hein. La première nuit, allez hop, ping, pang, boum, hop, c'est la fête. Non, non. Alors, il va falloir lui payer une chambre d'hôtel à cette petite dame pendant 2 ou 3 jours. Donc, allez, boum, encore des frais. Donc, je vous rappelle quand même qu'elles ont un salaire moyen de 300-400 balles, hein, 300 ou 400 euros en Ukraine. Donc, ne rêvez pas, elle ne payera pas tous ses frais. Donc, puis un seul voyage ne va pas suffire. On va bien comprendre. Alors, soit à chaque fois, vous voulez la rencontrer à Kiev. Faudra acheter un billet d'avion déjà pour aller à Kiev et ensuite faudra la refaire venir à Kiev parce que si vous voulez rester qu'à Kiev faudra la refaire venir à chaque fois. Je vous dis pas. Parce qu'en plus vous aurez personne là-bas dans la région donc vous connaîtrez rien, vous saurez rien. Si elle parle pas en plus
anglais ni français, alors là, c'est encore plus la cata, donc... En toute sincérité, quand vous faites venir une femme dans une région où elle habite, moi, je vous dis, en toute sincérité, sans être méchant ni vulgaire, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Vous avez des gros moyens financiers. Si, si. Alors, il faut au moins compter minimum déjà au moins 3 voyages. On est bien d'accord. Parce que voilà, la vraie femme ukrainienne n'acceptera pas au deuxième rendez-vous de venir, hein, en France. Hein. Il faudra. Non, disons deux. Deux sûrs. Deux, vous aurez obligé d'aller 2 fois en Ukraine. Après, la troisième fois, elle voudra. Ouais, il y a de grandes chances que là, elle acceptera de venir en France ou en Suisse ou en Belgique vous rencontrer. Mais la vraie, hein, pas celle qui fait du tourisme, ni la gentille fille de la campagne qui veut vite se barrer de la campagne. Non, la vraie ukrainienne, il faudra au moins minimum 2 voyages. Et le troisième, là, à ce moment-là, je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle acceptera de venir vous rencontrer dans votre pays. Donc là, il faut bien comprendre que si vous passez par une agence qui vous étrangle pas, ben, vous aurez des frais petits, déjà par rapport à l'agence, ensuite les rencontres, ensuite, si vous êtes déjà dans la région de la dame, ben, vous aurez juste à votre billet d'avion à payer, votre voyage, et seulement votre chambre d'hôtel, à vous, parce qu'étant donné que la dame vit dans cette région, donc voilà. Soit elle vit chez ses parents, parce que beaucoup de femmes ukrainiennes vivent avec les parents, ou soit elle aura son propre appartement, sa propre maison, ça peut arriver aussi. Donc tous ces frais ne seront pas. Voilà, vous aurez juste à payer vos propres frais pour la rencontrer, cette dame. Pas besoin de la faire venir, pas besoin d'hôtel, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Donc déjà des frais, voilà, beaucoup de frais en moins quand vous rencontrez la dame directement dans sa région. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que dans les vraies agences internationales, ils ont. Dans chaque région, une équipe qui vous attend. Donc là, beaucoup, 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 beaucoup de frais en moins, messieurs. Donc, je ne dis pas comme votre banquier va vous aimer. Alors, quelles sont les qualités recherchées par les femmes ukrainiennes? L'Europe de l'Est, allez, en général. Alors, les deux principales qualités recherchées par les femmes slaves de l'agence matrimoniale, d'Irina, moi je dirais les trois même, ouais je dirais les trois, sont l'amour, le respect, puis bien sûr la sécurité, parce que je vous rappelle qu'elles vont tout quitter pour vous. Alors ce sont les trois plus importants critères, et ce sont les trois plus importants critères, excusez-moi, pour les femmes russes, ukrainiennes et biélorusses. Oui, pour quitter leur pays, oui, je pense que ça se comprend. Et recherche avant tout un homme qui les aime et qui les comprenne. Ouais, mais qui les comprenne, qui les écoute. Ça, c'est hyper important pour elles. Parce que souvent, les hommes ukrainiens n'écoutent pas vraiment, puis ils s'en foutent un peu de ce qu'elles ont à dire. Alors, elle recherche également un homme ayant une situation professionnelle stable. Ouais, parce que quand vous quittez tout, vous voulez quand même savoir où vous allez mettre les pieds. Hein, pas finir à l'hôtel ou pas finir sur un bout de trottoir non plus, du moins. Hein, on s'est bien compris, hein, quand je veux dire un bout de trottoir, c'est par rapport à vivre sous les ponts. D'accord. Et puis bien sûr, subvenir à ses besoins pour le début. Ensuite, ben, si elle a moins de 40 ans, elle pourra se débrouiller toute seule. Voilà, pour faire vivre, ben, elle contribuera à faire vivre sa famille. Voilà, avec son monsieur, avec son mari. Et puis alors la première rencontre, justement je vous en parlais il y a quelques minutes, doit-elle avoir lieu dans le pays de la dame ou dans votre pays? Ça revient souvent. Je vous ai dit qu'il y avait du tourisme, hein, que des femmes étaient expertes en tourisme, ou des pauvres paysannes qui acceptaient tout, puis qui, comme elles ont jamais sorti de leur campagne, elles se disent en plus, je vais en profiter pour aller visiter quelques belles villes. Parce que si vous vivez dans la campagne profonde en France, en Suisse, en Belgique ou même au Canada, elles ne seront pas trop intéressées. Du moins, tout ce qui est tourisme, hein, on est bien d'accord. Les filles sérieuses, oui, parce qu'elles viendront vous rencontrer, vous. Mais tout ce qui est filles voilà, de la campagne, si elles veulent juste visiter, si vous habitez Paris, Strasbourg ou des grandes,
la capitale ou des grandes villes, là, elles vont être les premières à vous dire oh, oui, je vais y aller. Alors pour une femme russe, ukrainienne ou biélorusse, aller dans un pays totalement inconnu, écoutez-moi bien, messieurs, pour aller dans un pays totalement inconnu, la majorité, je dis bien la majorité des femmes russes, ukrainiennes, biélorusses n'ont jamais voyagé. Pour rencontrer un étranger nécessite une bonne dose de courage. En dehors des dames que je vous ai parlé, je vous parle des vraies femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses, des vraies, hein, des vraies, vraies, vraies. On est bien d'accord. Pas celles qui font du tourisme ou qui essayent de, par toutes les possibilités possibles, imaginables, de quitter leur pays. Non, non, je vous parle de la vraie femme de l'Est avec la vraie mentalité de l'Est. Se sentiront beaucoup plus rassurés si c'est vous qui vous déplacez pour la première rencontre. Oui, si vous avez la possibilité. Bien sûr, comme Irina vous l'a dit dans une de ses vidéos qui va être mise sur son site pour la présenter, pour présenter le voyage, le voyage, le contrat, son contrat pour les travaux de la terre, pour les gens, les viticulteurs, les agriculteurs, etc. Là, c'est différent. Mais pour ceux qui peuvent se déplacer, elles se sentiront bien mieux que ça soit vous qui vous déplaciez pour la première rencontre. Cela montrera aussi votre sérieux et détermination d'aller jusqu'au bout de cette démarche, ainsi votre intérêt, votre respect envers le pays d'origine de cette charmante dame et de sa culture. Oui, c'est parce que si vous vous déplacez, c'est que vous avez envie de connaître où elle vit, comment elle vit, son pays, sa région. Alors bien sûr, vous pouvez lui dire, bah écoute, j'ai un travail qui ne me donne pas la possibilité de me déplacer. Elle, là, elles le comprendront. Mais si vous avez la possibilité et que vous ne voulez pas vous déplacer, bah une vraie femme de l'Est, elle ne le comprendra pas. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.